Alors comme ça, vous avez appelé l'émission Basique. Bienvenue dans Basique. Ça ne vous aura pas échappé, Orelsan est l'artiste de l'année. Il part en tournée dès le 16 octobre prochain, c'est le tout premier invité de Basique. Et pour cette première, on va faire simple. Quels sont donc les basiques musicaux d'Orelsan ? En artiste, pour moi, basique, bon, c'est Michael Jackson. Dans ma tête, il y a un truc où genre la musique égale Michael Jackson, j'en suis à ce niveau-là. Pour moi, un album basique, c'est Hunter the 36 Chambers de Wu-Tang. Il y avait tout dans cet album, et puis il y avait de la folie, il y avait des samples de films chinois qui sont devenus des basiques pour moi. J'hésite entre deux chansons de Queen. J'hésite entre Another One Bites the Dust et We Will Rock You. Over basic. Et à un moment, ils te sortent un truc, Another One Bites the Dust, qui est genre juste une ligne de basse, ou We Will Rock You, qui est un flow, un son de batterie mélangé avec des claps. Ils arrivent à sur quatre mesures, faire un truc d'une efficacité redoutable. C'est que des génies de Brian May, Freddie Mercury, les compos, tout est ouf. Ça, c'est vraiment un vrai basique. Tenez, le plus de basique qui va bien faire plaisir à Orelsan. Le 31 octobre prochain, sorti sur les écrans de Bohemian Rhapsody, le biopic consacré à Queen, dont voici quelques extraits. Refais-nous ça. Un petit dernier. Il va t'en falloir combien des Galiléo ? Bohemian Rhapsody, le film hommage à Freddie Mercury avec les meilleurs titres de Queen, sort le 31 octobre. Orelsan est déjà fan et ça rime. Les essentiels de Basique ce soir. Si vous aimez Orelsan, vous allez forcément aimer Woodstower. Rendez-vous à Lyon du 30 août au 2 septembre pour les 20 ans de ce festival. À l'affiche entre autres, This is La Peste, NTM et Kiddy Smile. Enfin, on file à Bordeaux où quelqu'un est en studio. Salut Basique, c'est Alice Co. Je suis actuellement en studio pour le troisième album et je voulais juste vous souhaiter une très très belle entrée. En attendant la sortie de son nouvel album, Talisco signe le générique d'Un si grand soleil, la fiction à suivre dans quelques instants sur France 2. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres.